On se retrouve pour cette deuxième fête du printemps qui m'a l'air d'être un grand succès. Et oui, une fois encore, comme vous pouvez le constater, il y a un monde incroyable, toujours la météo. Donc on est ravis une fois de plus. Alors comme la première, les graines sont à disposition. Et puis alors j'ai vu une nouveauté. Alors vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Alors on a fabriqué des bombes de graines et des cartes à planter. Donc en fait c'est tout simple, hein, c'est fabriqué avec du carton, avec des boîtes d'œufs, avec du papier qu'on mouille et puis on met les graines à l'intérieur et on les écrase pour faire des cartes ou des bombes et après il n'y a plus qu'à les laisser dans l'herbe et puis ça pousse tout seul et c'est biodégradable donc il n'y a aucun déchet et on se retrouve avec des fleurs, donc il y a du basilic, de la bourrache, voilà. C'est extraordinaire. C'est super, on n'a qu'à prendre la boule, la jeter et planter des fleurs. Donc en plus de ça, on s'amuse, on joue à la pétanque et en plus ça sème exactement. C'est ça, c'est puis c'est gratuit, là on les donne, c'est à prix libre. Alors les graines, elles sont comme l'année dernière, gratuites. Tout à fait. Alors là en plus, elles ont été classées par une experte, donc il y a les dates de péremption, les origines, enfin bon, c'est vraiment encyclopédique et c'est toujours en accès libre, en don. Vous savez à peu près combien vous avez de variétés ? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Il faudrait demander à Jacques, le spécialiste, mais on est sur plusieurs centaines de variétés. Alors, qu'est-ce qui attire spécialement les visiteurs ? C'est ces graines, c'est l'ambiance, C'est l'ambiance globale. Voilà, c'est détendu, on mange bien, tous les repas sont bio, à des prix tout à fait abordables. Il y a toujours du soleil, il y a la fanfare qui joue tout à l'heure. Voilà, puis je pense qu'à l'arrivée du printemps, tout le monde a envie de sortir un petit peu, de rencontrer du monde, et c'est l'endroit idéal pour ça. Surtout par rapport au temps qu'on a eu la semaine dernière, là, aujourd'hui. C'est ça, on ne pouvait pas rêver mieux, mais on le savait. On a toujours une bonne étoile, on le savait. Et pour les repas, donc vous étiez à 150 normalement ? Les repas, c'est ça, on a clôturé les réservations à 150 parce que voilà, on n'est pas des restaurateurs, on ne peut pas faire plus avec nos petites mains, mais on arrive à servir des frites et des assiettes charcuterie pour dépanner, pour satisfaire tout le monde, quoi. Donc dépassé par le succès ? On n'est pas dépassé, on continue à gérer, mais voilà, c'est sûr que pour les années prochaines, il va falloir qu'on réfléchisse encore plus. Mais on a beaucoup de main-d'œuvre, donc c'est super. Une troisième édition qui aura encore des nouveautés. Ah ben c'est sûr que là on est lancé et puis il y a celui-là, mais il y a aussi la balade artistique dans un mois qui est un autre de nos événements phares. Donc oui, ça ne s'arrêtera pas là, oui. Donc c'est l'association Brousez-vous. C'est toujours Brousez-vous, c'est ça qui essaye de créer du lien social, de parler d'environnement et de culture. Très bien, et ben merci et puis bonne continuation pour cette magnifique journée.